Produit par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment et pourquoi le règne sans partage de la petite phrase, du commentaire lapidaire et cinglant, nuit à l'action et à la pratique politique. C'est un état de fait qui a cela de paradoxal que tout le monde, acteurs de la vie publique inclus, s'en désole et s'en contente. On trouve ça nul, mais on fait avec. Voire, on trouve ça lamentable, mais on en partage quand même une petite de temps en temps parce qu'elle nous a fait sourire ou qu'elle nous a particulièrement irrité. Il arrive cependant que derrière le fiel, derrière la méchanceté ou la pensée à l'emporte-pièce captée malheureusement par un micro qui traînait, se cache une réalité politique plus vaste. Par exemple, lorsqu'un président en exercice évoque la dentition de ses administrés. Je n'en dis pas plus, et je laisse la main à Hélène Goutani et à ce duo d'épisodes réalisés par Paul Berthiaud qui s'appelle « L'Escendant, une histoire politique du sourire ». Bienvenue dans Programme B. Là, ça commence. Ce bruit, c'est un surfaçage. Un soin un peu plus intense qu'un détartrage et un peu plus cher aussi. J'ai une parodontite. Mes gencives se rétrécissent. Je dois donc apporter un soin particulier à mes dents. Durant tout le soin, ma tête est recouverte d'un morceau de papier noir. Et je rumine, je ressasse les cigarettes que je n'aurais pas dû fumer, les cafés que j'aurais dû modérer. Vous connaissez certainement cette angoisse du dentiste. Mais moi, elle a cette saveur particulière. J'ai peur d'être une sans dents. On ne sait toujours pas d'ailleurs si François Hollande a vraiment prononcé ou pas cette expression des sans dents. Il n'a jamais souhaité répondre à cette question. Cette expression des sans dents, mensonge, répond donc le président. Paraphrase Hollande, arrêtez de rire. Les sans-dents, j'en ai déjà rencontré, notamment une fois à Hénin-Beaumont. J'étais sur un terrain de foot entre des barres d'immeubles. Je travaillais sur l'électorat du Front National. C'était un dimanche matin, quelques semaines avant les élections de 2017. Une quinzaine d'hommes, un peu ivres, certains la trentaine, d'autres la soixantaine très marquée, et presque personne avec des dents. Que des sourires vides, des rigolades franches, sans émail. Descendant, en vrai. L'expression est bien connue puisqu'on la doit à François Hollande, qui est encore président pour seulement quelques semaines. Valérie Trierweiler, son ancienne compagne, le rapporte dans son livre « Merci pour ce moment » publié en 2014. À l'époque, une femme politique décide de réagir publiquement sur son mur Facebook. Marie-Georges Buffet, je suis ancienne députée de la Seine-Saint-Denis et j'ai été ministre des Sports sous le gouvernement Jospin de 1997 à 2002. J'habite en Seine-Saint-Denis, à Blanc-Mesnil. Celle qui a longtemps dirigé le Parti communiste réagit très mal. Et pour cause, elle connaît bien la problématique. Oui, parce que moi, j'ai pas eu une enfance, petite enfance malheureuse, mais on était une grosse fratrie. On était, à l'époque, c'était souvent, on était sept. Et puis, tout se passait un peu bien, puis mon père est parti. Et ma mère, qui élevait ses enfants, n'avait pas de revenus, bien évidemment, hein, à part les allocations familiales, c'est tout. Moi, j'ai connu les coupures d'électricité, même une fois une coupure d'eau. Alors, ma mère nous mentait, elle nous disait toujours que c'était le quartier qui était concerné, etc. Et puis un jour, elle avait toutes les dents abîmées, elle ne se faisait pas soigner les dents, et un jour, elle a été obligée de partir dans une clinique. Et je me rappelle, parce que c'est moi qui ai ouvert la porte en bas du garage, et elle est arrivée à pied de la clinique. Et elle avait toutes tous les fils encore, voilà, parce qu'elle n'avait plus de dents. Cette image de cette femme qui revient à pied, voilà, sans ses dents et tout, ça me reste voilà, comme une image inacceptable. Voilà, je n'arrive pas à trouver d'autres mots, ce n'est pas possible.
qu'on accepte que des gens vivent des situations telles que celles-ci et qu'en plus on les pointe du doigt en les humiliant et en se moquant d'eux, quoi, voilà. Mais l'affaire, elle va pas s'arrêter là. Parce que François Hollande continue de nier le fait d'avoir utilisé cette expression « les sans-dents », Valérie Trierweiler décide de publier sur Twitter les messages envoyés par texto de son ancien compagnon. « Je suis avec ma copine Bernadette, je lui fais un numéro de charme, mais tu ne dois pas t'inquiéter, elle a fait un lapsus formidable, rire général, même chez les sans-dents. F. Hollande, le 31 mai 2005 à 12h39. » Bernadette, ici, c'est Bernadette Chirac. C'est avec elle que François Hollande fait des blagues sur les sans-dents. Dans la tournure des messages, on comprend que les sans-dents, c'est une bonne vanne, à droite comme à gauche. Mais n'en déplaise à François Hollande, il n'est pas l'auteur de ce bon mot. Le Nouvel Observateur le rapporte au moment de la polémique. Cette expression a été présente dans notre dictionnaire bien avant qu'on généralise les brosses à dents dans les salles de bain. Et Jean de La Fontaine a même utilisé l'expression dans l'un de ses contes. Parce que si les politiques utilisent cette expression, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont besoin du vote de ses sans-dents. Ce sont les premiers à refaire leur sourire une fois le temps de l'élection venu. Si on prend François Mitterrand par exemple, en 81, le candidat socialiste est plus que jamais capable de gravir enfin les marges du pouvoir. Mais il y a une chose dans son apparence qui pourrait empêcher de susciter la sympathie. Des canines un peu trop ciselées. Alors, sur les bons conseils de Jacques Séguéla, le candidat va faire limer ce qu'un électeur aurait pu considérer comme les crocs d'une personne avide de pouvoir. Plus de 20 ans plus tard, et toujours au Parti Socialiste, c'est Ségolène Royal qui recourt à la modification du bas de son visage. Avant d'officialiser sa candidature en 2006, elle entreprend la refonte complète de son sourire. D'après Gala, l'ancienne ministre subit une opération de la mâchoire avec orthodontie linguale, comprenait un alignement des dents grâce à des bacs posés à l'intérieur, une chirurgie de la mâchoire du bas avec pose de facettes pour avancer le menton. Les facettes, comme l'orthodontie linguale, sont les soins les plus onéreux en la matière. Il faut compter au moins 45 000 euros. En fait, le prix de la dentisterie en France a tout pour être dissuasif. D'ailleurs, moins d'un assuré sur deux consulte un chirurgien dentiste au moins une fois par an, contre plus de deux assurés sur trois en Allemagne et au Royaume-Uni. En tout, cela fait 43% des Français qui vont s'autoriser à aller chez le dentiste, contre 71% dans les deux autres pays. C'est ce qu'on appelle le renoncement aux soins. Et il se trouve que ce renoncement, il va suivre votre place dans l'échelle sociale. Donc si vous êtes en situation de fragilité, au chômage et célibataire par exemple, avec en plus une maladie chronique, comme le diabète, vous n'irez pas chez le dentiste. C'est le premier poste de soins auquel vous allez renoncer. Bonjour. Et c'est ça que combat Jérémy Bazard. Je m'appelle Hélène Boutani, bonjour monsieur Bazard. Dans la profession, c'est un peu un ovni. Il n'a jamais exercé en libéral. Ouais, ça marche. Tu mets quoi dedans, dehors ? On peut le retrouver à bord d'un poids lourd, deux jours par semaine, à sillonner les communes de la Seine-Saint-Denis. Moi, c'est à Villetaneuse que je l'ai rencontré, un mercredi matin. Ici, on est où ici, en fait ? Là, on est dans le bus dentaire du département de la Seine-Saint-Denis. C'est une des parties du dispositif du centre de santé mobile du département de la Seine-Saint-Denis qui comprend le bus dentaire, donc un énorme poids lourd, avec un cabinet dentaire à l'intérieur, une salle de stérilisation, une salle d'attente, un secrétariat, une connexion Internet, tout ce qu'il faut pour recevoir les gens. Et qui est composé aussi le centre mobile d'unités portables. Donc on met dans des voitures et on va directement dans les endroits, dans les appartements, dans des associations, dans des écoles. Et on met en place un cabinet dentaire en 20-25 minutes, avec tout ce qu'il faut pour soigner les gens, soigner les caries, extraire les dents, faire des détartrages, des soins de base pour les gens qui n'ont pas vu de dentiste souvent depuis plusieurs années. Comme c'est mercredi, ce sont avant tout des mères de famille qui vont monter à l'arrière du poids lourd avec les enfants sous le bras. Allez-y, ouvrez grand. Quelques-unes vont quand même s'installer dans le fauteuil. Vous avez pas mal en haut, là ? Non ? Ouais, il y a une carie sur la 18. Quelquefois, ça... Je ne sais pas comment on appelle ça. La chaise, ça gonfle. Ah, ok. Ouais. La gencive, oui. Ou la joue ? La gencive. La gencive. Ouvrez grand. Ok. La 17 aussi, vous avez une carie là aussi. Ok. Là, oui, là aussi.
La 20... C'est laquelle, celle-là? C'est la 25. Vous avez du tartre aussi qu'il faudrait, faudrait nettoyer. Hein. Ouais. Mm-hmm. Ouais, là, ça va pas être possible même de faire une prothèse, en fait. Mais ça va coûter cher. Ah, bah ça, je peux pas vous dire. Faut déjà faire un devis et puis voir si vous avez une prise en charge. Okay. Vous avez une vous avez des droits ouverts? Bah, j'avais la mutuelle, mais ouais. Là, avec mon travail, on va me licencier par rapport à... On va me mettre un inapte. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'avais les reins, le foie, l'infection, tout c'est le même jour. Le cas de cette patiente, c'est l'illustration la plus parfaite de ce renoncement aux soins. Carré sur la 74. De gros problèmes de santé qui amènent à une dégradation globale de la situation économique et financière. Donc tu restes sur la... c'est la 64. Et on finit par ne plus remplacer ses dents. Il y a une 83 absente. Dans 6 cas sur 10, le renoncement concerne un soin prothétique. Et il y a une carie sur la 84. C'est-à-dire une couronne, un bridge ou un implant dentaire. Non, obturation. Quand je travaillais sur la vie d'Hélène Beaumont, j'étais obsédée par les chiffres du chômage. À noter le parcours professionnel de chaque personne. Comme si toutes ces petites fiches individuelles me donnaient à voir la réalité statistique de l'INSEE dans les Hauts-de-France. Docteur Bazar fait la même chose mais avec son diagnostic. Ok, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour retirer la plaque? L'absence d'une dent. C'est comme un obstacle sur lequel a buté un patient dans un parcours de vie. Comment tu brosses les dents? Bonne réponse, Maxime. Comment tu brosses, toi? Tu brosses comme ça? Tu brosses comme ça? Ça dépend, des fois c'est... Ça dépend la place dans la salle de bain, parce que des fois, elle rentre trois. D'accord. Alors, ok. Bah, alors, quand tu brosses, il faut bien penser à monter très haut sur ta gencive. Et à balayer tes dents, d'accord? Tu balayes partout, jusqu'au fond. Du rose vers le blanc, d'accord? Tac, tac, tac. Et en bas, tu fais pareil. Certains ont pourtant cru qu'ils pouvaient refaire leur dentition. C'était le rêve que promettait Dentexia. À Lyon, Marseille, Bordeaux et en région parisienne, ces dentistes nouvelle génération se multiplient. Une dizaine en 2 ans. Ils mettent couronne et implant à la portée de tous. Ce qui me concerne, moi je suis allé chez Dentexia au tout début, en 2012. Abdel Aouacharia faisait partie des premiers patients. Je le retrouve à Marseille avec Olivier Siran, journaliste et auteur d'un livre sur les dents. C'était le premier centre dentaire associatif ouvert en France et j'étais l'un des premiers patients, en fait, paradoxalement. Donc j'arrivais dans un centre qui sentait la peinture avec des dentistes qui avaient des chalotes sur la tête et des assistantes commerciales. Enfin, je dis commerciales, c'est un lapsus. Des assistantes. Fausses assistantes médicales. Voilà, des assistantes médicales. Qui sont en fait des commerciales ou des commerciaux, ouais. Déguisés, ouais. C'est exactement ça. Et en fait, les débuts correspondaient à un petit peu à tous les espoirs qui auraient permis à des usagers du dentaire démunis d'accéder à des soins de qualité. C'est-à-dire, c'est ce pourquoi la loi Bachelot, qui a permis la création de ces centres, avait été promulguée. Et donc, en 2012, c'était encore un peu l'ambiance. Et on y croyait, on arrivait dans un centre avec des belles affiches qui nous disaient que c'était un centre associatif à but non lucratif, loi de 1901. Et tout de suite, on est rassuré avec ça. On se dit qu'on n'est pas dans des centres qui sont là pour faire du profit, etc. Il s'est avéré que c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que sous couvert de centres associatifs à but non lucratif, on avait des structures commerciales déguisées. Les dirigeants de ces centres faisaient payer par avance les soins de dentaire à une multitude de patients en entrée de chaîne et en bout de chaîne n'arrivaient pas à faire tous les soins. Et un système comme ça, bah, c'est une pyramide de Ponzi et ça s'écroule. C'est ce que nous a appris le crash de 2008. Et donc j'ai pu assister, en fait, dans mon propre parcours, à l'effondrement, en fait, de toute la franchise Dentexia. Et la liquidation de Dentexia a eu lieu en 2016. Donc pendant 4 ans, j'ai eu des soins qui se sont détériorés en qualité au fur et à mesure. Et j'ai pu assister à l'apparition de plus en plus de victimes, de mécontents, de personnes qui n'avaient plus de dents. Et je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui étaient en déshérence, en fait, qui arrivaient, qui n'avaient plus une seule dent dans la bouche, qui avaient des fils dentaires. Et ce que je voudrais dire, qui est sans doute l'un des points les plus importants, c'est que si ces personnes-là n'avaient pas payé par avance leurs soins dentaires, elles auraient pu les poursuivre ailleurs. Mais le système Dentexia était tellement pervers que le ticket d'entrée pour se faire soigner, c'était de payer par avance tous les soins dentaires. Et si les personnes n'avaient pas les moyens, on leur proposait de souscrire dans l'enceinte des cabinets à des contrats de crédit
qui étaient proposés par des banques. Et donc, toutes les personnes étaient soit ruinées, soit endettées, parce que les personnes qui allaient dans ces centres-là, elles n'y allaient pas pour se faire refaire une seule dent. Elles y allaient parce qu'elles avaient des plans de traitement qui étaient assez conséquents et qu'elles étaient soit prises dans la spirale du renoncement aux soins, soit sous les sirènes du tourisme dentaire et qu'elles choisissaient enfin d'aller dans ces centres français qui venaient de se créer et qui apportaient une lueur d'espoir. En 2015, les centres sont fermés pour cause de mauvaise gestion et les patients par milliers vont se retrouver les bouches meurtries, les mâchoires mutilées, des pylônes à la place de dents saines, des fils qui dépassent de trous béants. Car la logique mercantiliste à l'œuvre n'était pas de conserver la dent la plus saine le plus longtemps possible, mais de vous faire faire le soin le plus coûteux. Au hasard, des implants étalés sur toute la mâchoire supérieure. C'est à ce moment-là qu'Abdallah Ouacharia décide avec d'autres victimes de monter un collectif. Olivier Sirin, journaliste, va le rencontrer pour son enquête. Oui, moi je suis très admiratif du combat mené par le collectif des victimes de Dentexia, parce qu'ils se sont battus dans les pires conditions concevables. C'est-à-dire qu'avec les douleurs physiques, mais aussi psychologiques, qui a fait que nombre de personnes n'osaient plus sortir de chez elles, se cachaient. Le fait d'être capable, dans ces conditions-là, de s'unir, de s'organiser et de lutter, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ça montre à quel point on est loin du compte en termes de soins dentaires accessibles à tous. On voit à quel point c'est compliqué. Il y a toute une série d'obstacles à franchir, en fait, pour se faire soigner. Il peut y avoir des refus de soins, carrément, parce qu'on considère qu'avec des patients qui n'ont pas trop les moyens, on ne peut pas s'en sortir, donc refus de soins. Ou alors des soins qui sont non ou très mal remboursés, qui font que, justement, pour une réfection dentaire, ça coûte les yeux de la tête. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a considéré qu'au lieu de permettre à tout le monde d'avoir accès à des soins dentaires de qualité, on a légiféré pour permettre à des diplômés d'écoles de commerce qui n'ont aucun rapport avec les soins dentaires de monter des structures qui sont censées donner une deuxième chance à tout ce public exclu des soins classiques. Je vous ai parlé de rage tout à l'heure et de désespoir, mais ce qui nous avait beaucoup frappé, c'était les menaces de suicide. On avait des personnes qui, parce qu'elles étaient ruinées financièrement et qu'elles avaient ces problématiques dentaires, ne voyaient même plus d'issue, en fait, à leur vie. Et donc, ça montre à quelle vitesse on peut atteindre une extrémité, en fait, si les dents sont touchées. Ce qui est bien connu, c'est que quand on... Enfin, pour le dire de manière un peu compliquée, le percept annule le concept. Si vous avez mal, vous n'arrivez plus à penser. Et c'est là que le système est dur en fait à naviguer, c'est-à-dire que on ne devrait jamais empêcher quelqu'un qui a une souffrance d'être en mesure de faire un choix qui lui permette d'abréger sa souffrance. Donc, un dentiste devrait toujours pouvoir être sollicité pour soigner des patients qui ont mal. Et si c'est pas ce dentiste, c'en est un autre. Et nous, en fait, à la Dent Bleue, on a pris comme l'un de nos chevaux de bataille le refus de soins. Il y a énormément de refus de soins. Si le fondateur de Dentexia a bien été condamné, ce n'est pas le seul. Du reste, la loi Bachelot existe toujours, et donc sa logique mercantile aussi. Les centres de santé bucco-dentaires ont doublé en France. Ces entreprises ont pignon sur rue dans nos centres-villes. Ils vous promettent l'alignement dentaire, le blanchiment et les couronnes à bas coût. De plus en plus, on assiste à une sorte de fast-foodisation de la médecine, où quand vous allez en fait dans ces centres dentaires pour recevoir des soins, vous n'êtes plus considéré comme un sujet, mais comme un objet de soins. La devise du patron de Dentexia, Pascal Stechen, c'était « la meilleure dent, c'est l'implant ». Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on ne considère plus les patients comme des sujets de soins, mais comme des sacs à implants et des sacs à prothèses et des porte-monnaies. Selon la Société française d'histoire de l'art dentaire, un dentiste américain qui essayait de s'installer à Paris au 19e siècle cherchait à soigner les caries. Il utilisait la technique de l'orification, c'est-à-dire le fait de combler le trou d'une carie pour conserver le reste de la dent vivante. Face à sa nouvelle technique, il se serait entendu dire par les dentistes français
Ah, mais vous n'avez pas le sens commun d'arranger, hein, comme vous le faites, les dents de manière à les conserver. Vous gagneriez bien plus d'argent à les arracher en mettre d'artificiel, moi je vous le dis. Mais la technique paye et plutôt bien. Il s'installe dans la très cossue rue de la Paix à Paris. Il soigne Mérimée, Balzac, George Sand et même le roi Louis-Philippe. Aujourd'hui encore, à l'heure de la carte vitale, les cabinets dentaires de secteur 1 ne peuvent survivre des seuls soins remboursés par la sécurité sociale. Conséquence, plus il y a de dentistes dans un territoire, plus l'activité est faible. Et donc, plus il est nécessaire de compenser par des honoraires élevés, avec une patientèle dotée de meilleurs revenus et donc de meilleures couvertures complémentaires. Chez les médecins de secteur 2, donc plus cher, on va même trouver plus d'actes par patient pour compenser cette perte. La tendance va donc aller aux soins les plus coûteux et non aux soins préventifs, précoces, qui conservent la dent, mais qui sont beaucoup moins rémunérateurs. On se retrouve en fait avec un certain nombre de dentistes qui en fait ne font plus que de l'esthétique parce que c'est en fait dans ce secteur-là qu'on peut gagner le plus d'argent. Et parmi les dentistes libéraux, c'est un vrai problème parce qu'il y en a qui veulent faire bien leur travail, mais s'ils font en fait des soins qui consistent à vraiment prendre en charge des patients défavorisés, en fait, ils ne vont pas s'en sortir ou ils vont s'en sortir mal. Là où ils peuvent gagner de l'argent, les dentistes, c'est avec des soins à haute valeur ajoutée qui sont les soins prothétiques. Un dentiste honnête, consciencieux, est un dentiste qui a du mal à joindre les deux bouts, et alors qu'un dentiste qui réussit très bien est forcément un dentiste qui maltraite toute une partie du monde social. Et c'est pourtant ce dentiste-là qui va être valorisé, y compris même déjà au stade des études. C'est quelque chose qui est consubstantiel à l'exercice du métier. Et c'est en fait, tout est fait à la fois que ce soit l'industrie des soins dentaires elle-même ou la société telle qu'elle est organisée en général, qui oriente à faire sortir les dents d'une question de santé fondamentale telle qu'elle se pose pour la majorité d'entre nous. Nous, quand on a essayé de faire valoir nos droits pour l'affaire Dentexia, en sachant qu'il n'y avait aucun dispositif qui nous permettait de les faire valoir, on a été absolument sidérés par le fait de constater que les institutions ne comprenaient que les chiffres. C'est-à-dire que quand on disait « il y a des menaces de suicide », la réponse était « combien ?» Quand on disait « la plupart des patients sont ruinés, ils ont pris des crédits », oui, mais combien d'euros ? C'est combien de milliers d'euros en tout ? La manière de décrire le monde, elle n'est pas une manière qui remet, encore une fois, je me répète, le patient au centre des problématiques. C'est une manière globale, monétaire, financiarisée, fast-food, qui sont déconnectées en fait, du réel et du vécu. Être éloigné du vécu, c'est aussi l'un des principaux reproches qui sont faits aux politiques. Et pourtant, lorsque Valérie Trier-Weller révèle ce surnom donné aux pauvres, les commentateurs de la vie politique semblent découvrir ce mépris de classe. Ces deux mots, « sans dents », semblent entériner la rupture du Parti socialiste avec les classes populaires. Comme s'il n'y avait pas eu la loi travail, comme s'il n'y avait pas eu Rocard, comme s'il n'y avait pas eu le tournant de la rigueur. Dans des documentaires, on peut même écouter certaines analyses qui doivent convaincre du lien indéfectible qui unirait François Hollande avec les pauvres puisque son grand-père n'était qu'instituteur. Il était instituteur et vous croyez que je pourrais mépriser le milieu d'où je tiens mes racines ? Pourtant, dire les sans dents, c'est avoir désigné la France d'en bas comme un énorme creux, un trou béant, une cavité que rien ne sert de remplir. C'est contempler une essoreuse sociale sans fond et laisser pour seul héritage ces petites phrases auxquelles nous sommes désormais habitués. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Vous avez assez de cette bande de racailles. Le bruit et l'odeur. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? À suivre.